Question numéro 5. Kevin prépare une confiture avec de belles mangues. Après, les blanks. Kevin peut faire un confit avec ban joliment. Ok? Ici, il a mûr, 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 mûr. Oh, tous les quatre nous prononcent mûr même. En fait, ça, c'est quoi ça? C'est un adjectif. Il peut décrire comment mon là y était. Ok? Belle, mûr, aussi pareil. Vous trouvez belle, les autres, depuis le mot beau. Mais qu'est-ce qui fait une belle là? Parce qu'il finit accordé avec mon qui était masculin ou bien féminin. Ça connaît là. Et puis, ils ont trouvé un S. Ça finit comme le pluriel. Regarde un coup. M-U-R. Ça, là, nous servons les qu'on lit singulier et masculin. Poupée, M-U-R, il a un E avec lui. Nous servons les qu'on lit singulier et féminin. C, il a un E avec S là-dedans. C'est-à-dire, ça, là, nous servons les qu'on. C'est féminin et pluriel. Tandis qu'il mûre, qu'il a juste un S là-dedans, mais servi quand lit pluriel et masculin. N'est-ce pas? Là, c'est un diminutif pas connu, pas précis, c'est pas mon le ou bien là. Il bien fini de trouver un hint à travers le mot belle. Belle, c'est pour ban féminin. Là, nous pas coder, ici là qui pour venir. Il vous bien vite un qui pluriel, oui, et puis un qui féminin. Parmi sa banne là, là, qui s'en a qui féminin pluriel? C'est C. Il y a E et S avec lui. N'est-ce pas? Réponse 20, C, les enfants.